Je pense que si on meurt maintenant et qu'on a vu personne, on va avoir un petit peu le seum quand même. Mais ils sont où les gens? C'est chaud. C'est trop nul, putain. Eh bien bonjour à tous, c'est Célébornes, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo. On est en compagnie de Joe, salut Joe. Eh bien oui. Et on est en train de jouer à Battlefield 5 et on va regarder ce petit truc qui est caché, on va y jouer, ça s'appelle Firestorm. Vous l'avez forcément un petit peu zappé, sauf quelques joueurs Xbox qui m'en parlent régulièrement, mais sinon je pense qu'on a tous abandonné ce mode de jeu et on va jouer en squad avec Joe, on va voir ce que ça va donner. On est quand même un jour férié, un jour où les gens sont censés jouer aux jeux vidéo plus que d'habitude. En plus il y a le confinement et malgré tout il y a affiché 4 minutes. On est des mauvaises langues parce que ça a mis 2 minutes. Après, combien on va être dedans? C'est ça la question aussi. 18 joueurs, mec. On va être... Oh putain, tu sais quoi, ça me fait penser à la fin de H1Z1, là. Si tu joues à H1Z1, t'as à peu près le même nombre de joueurs, je crois, que dans le lobby, quoi. Oui, après qu'ils aient fait leur petite mise à jour graphique, H1Z1, il y avait plus de joueurs que ça. Hein. Ça lançait les lobbies à 40, hein. Là, si tu veux, j'ai filmé. Entre le moment où on a lancé et le moment où on arrive dans la game, on va être à peu près à 4 minutes, 35 minutes, quoi. C'est pas horrible, mais on est que 18 joueurs, quoi. C'est chaud. Bon, vas-y, on saute, hein. Comment on saute? Merde. Ah, c'est eux. Ah ouais. Ah là là. Bon, il se passe. Déjà ça. Ouais. Ouais, j'ai évité de me crash comme une petite merde. Ok, alors, donc je pense... Je pense qu'il y a du monde au dôme. Oh, ouais, mec, il y a du monde de ouf au dôme. On va peut-être pas y aller, on va peut-être aller au-dessus. À gauche, là. Viens, on va à gauche. Je sais pas si je peux te signaler le truc, mais... J'ai pas une touche... Là, par là. Ouais. Ce qui m'a toujours ennuyé, moi, dans Firestorm, déjà, première chose, c'est que... Bon, le système de loot, que je trouve horrible. Ouais, ça y est, ennuyé. Voilà, et enfin... C'est le même que... Plus ou moins le même que Warzone, hein, d'ailleurs. Hein, quand même, pour être tout à fait objectif. Mais les trucs éclatés au sol, c'est quand même... éclatés au sol. Ouais, je te disais, ce qui m'ennuie déjà, c'est la sensation de vide, quoi. C'est un peu PUBG-esque à ce niveau-là, quoi. Ouais, t'as une grosse sensation de vide, quand même. 17 vivants, 0 kill. Je pense que si on fait 2 kills en arrivant dans le top 5, c'est un maximum, quoi. Je pense que si on meurt maintenant et qu'on a vu personne, on va avoir un petit peu le seum, quand même. Mais on a pas de stuff, en plus. Hein. Ouais, la zone, elle est grande. Ouais, si on a des plaques, voilà. Mais après, ouais, au niveau des armes... Ouais. Je vois rien du tout. Mais ils sont où, les gens? Oh là là... Ouais, y'a un Panzerfaust. Ah ouais, y'a des véhicules. Eh ouais, t'as des véhicules. Eh oui. Eh oui. Oh non. Eh oui. T'imagines, t'as un tank, là, avec 8 personnes. Ah ouais, non, mais on a perdu, le mec. Ils sont allés chercher les véhicules. Non, mais cherche pas. C'est ça? Ah ouais... Non mais... Oh. Ah ouais... Attends, la map elle est où en plus? Eh ouais, ça va jamais se terminer dans une zone avec des habitations, quoi. Ouais. Oh, on n'a pas de Panzerfaust. On est dans la zone finale quasiment, là. Il reste 6 joueurs. Waouh! Attends, A c'est pas dedans. Non, en plus c'est pas dedans. Non, A n'est pas dedans. Ouais. À mon avis, tu sais quoi, on va pas aller... capturer ou pas? Je sais pas, au pire ça fait de l'action. Allez, vas-y, go, go, go. Ok, ça nous tire dessus depuis la montagne, ouais. Ouais, laisse tomber quoi. Tranquille, tranquille, on continue à capturer, hein. Balek. Ouais. Ok, j'en ai deux sur moi. Et là sur moi toujours, ok, il est down. Ah oui, il pouvait me finir. Balle au sol. Ouais. Oh là là. Voilà, t'es dans la zone, hein. Dans la zone. T'as encore du temps, hein, pour réanimer, t'inquiète. Oh là là. Ouais. Fais gaffe, y'a la zone qui arrive, hein. Vas-y. Allez, Joe. Ouais, mais t'es dans le loot en fait. Oh là là, et tu vois, c'est juste pour ça que le système de loot est nul à chier, quoi. Merci. Ok, on a un mec juste à côté. Un mec juste à ta gauche. Il est descendu. Allez, 3. Ok, oh, mais c'était peut-être pas le moment de tirer, mais.
Quand ça te heal. Ouais, t'es sûr que tu les as ruines parce qu'ils ont l'air bien en forme. Hein. Les mecs avaient pas capté qu'on était là, on aurait dû juste profiter d'être derrière eux et les buter quoi. Et je meurs quand moi? Bah je sais pas, t'as pas une seringue pour te réanimer? Bah non mais... T'as pas d'autorité? Oh là là c'est long. Oh, oh. Mais pourquoi c'est long comme ça? Pourquoi tu meurs pas direct? Y'a pas de goulag là? Bah oui. Personne peut te réanimer. Bah non. On a terminé deuxième. Voilà. T'as... Putain mais c'est nul. Attends, je viens vers toi. Il y a trop de monde. Ouh, je suis pas bien, je suis pas bien. T'as pris quoi là? J'ai pris cher. Oh là là, laisse tomber, je suis mort. Ah, c'est ouf, je me souviens pas des touches, ça me casse les couilles. Il t'a tué comment? Putain, mais je peux pas suicider. En fait, je sais pas pourquoi tu peux pas se suicider parce que t'es le dernier en vie, tu peux pas t'auto-réanimer, c'est complètement con. C'est ouf quoi. Il se fait tuer. Il y a une team qui est derrière moi. Et tu peux pas te suicider là, je sais. Non. Voilà. C'est chaud. C'est nul. C'est trop nul, putain. Et moi je galère avec les touches parce que c'est vraiment pas instinctif du tout. Genre, j'avais ramassé une plaque, je pouvais pas la mettre parce que tu sais, en fait, t'as un inventaire. Avancer, et je viens de me rappeler maintenant. T'as un inventaire, tu sais, que tu dois scroll pour mettre les raccourcis, là. Et comme j'avais chopé les plaques après le reste, en fait, il aurait fallu que je remonte mes plaques dans mon inventaire pour pouvoir les utiliser. Sauf que les plaques, ça devrait être un truc que tu utilises de façon automatique. Genre, tu bindes une touche, c'est la touche des plaques, comme la touche des soins. Oh la vache! Tu vois, ça fait deux games qu'on fait, et j'ai déjà envie de mourir, quoi. C'est long! T'es à deux doigts d'altab, tu vois, mais je me dis que c'est une mauvaise idée. Ah, t'imagines, tu crashes parce que t'as fait un altab là. Et que tu dois te retaper les. On a attendu 4 minutes hein, cette fois-ci. 4 minutes plus 3 minutes d'attente dans le lobby. C'est même pas un avantage d'être dans une maison. Ah. Ok, nice. Je suis bien là. Tu l'avais pas vu? Le mec? Non, le char. Non, le char, je l'avais pas vu moi. Ah. Et lui, je crois qu'il m'a bien vu. Parce que, vu que je sais, c'est bah, en fait, une troisième personne. Attends une seconde. Décalé. Ouais, je savais pas s'il était dedans ou pas, quoi. Il y en a un deuxième. Étage, fenêtre. Ah, je voulais tenter un truc et évidemment c'était pas le bon raccourci. Fuck! Ah, quand ça veut pas, hein. Ce que je te propose, c'est qu'on parte en solo parce que le mode squad, en duo versus squad, on a quasiment aucune chance de faire vraiment des kills. Par contre, on team up pas, hein. C'est juste qu'on essaie de spawn au départ à l'autre bout de la map l'un de l'autre et puis. Et après, on se démerde, hein. Ok, j'ai un mec avec moi, cool, ça c'est sympa. Je suis plus bas que lui. Ouais, j'ai mon kill. Table. Eh ben j'avais plus de balles. Hein. En fait, tu vois, c'est l'inverse ce jeu de Warzone pour moi. Parce que les trucs, tu les entends à 8000 km. Ouais. Ok, j'ai un mec en face. Ok, il y a un mec sur lui. On est à 2 kills. J'ai cru entendre un mec en fait dans la maison juste en face. C'est dans une maison ça. Il est pas loin de moi, ouais.
C'est bon, je l'ai eu. En fait, ça c'est un truc qui est vraiment dingue dans ce jeu. Hein. Vraiment le système de loot, le fait que ce soit pas optimisé, c'est pas possible quoi, c'est pas jouable. T'es là, tu viens de tuer un mec, déjà t'as mis 140 balles pour le finir au sol. Et en plus, tu dois attendre 5 minutes de pouvoir le looter parce que ça fonctionne pas bien quoi. C'est épuisant. Oh, ouais, j'ai un tank en face là-bas. Mec, qu'est-ce que tu veux que je fasse contre un tank? Il a un mec juste en dessous. Je vais tenter de partir dans la montagne. Ok, le tank vient vers moi. Je crois que je peux pas te spec en fait. Je peux pas changer de. Sauf si je suis le mec. Ouais. Que tu spectates, je pense. Bon, il en reste combien? Il en reste 4 vivants, donc 3 en plus de moi. Il y a le tank là-bas. Ouais, mais le mec, au tank, il a forcément gagné. Il faut que j'utilise le top 2, quoi, en gros. Ok, je le vois. Je vais lui laisser tirer un peu sur le tank. Vas-y mon gars, rush-le. C'est ça. Il a pris 0 balle. Oh, il est à 40 HP. Et voilà, c'est une win pour le joueur français. Est-ce que je l'ai fini ou... Mec, pour finir... Mec, pour finir un mec au sol, c'est tellement long. Bon, j'ai gagné, mais vraiment, c'est sans... Sans honneur quoi, putain, zéro fun, zéro fun. Et le fait qu'il y ait des véhicules en solo, je trouve ça mais une aberration. Tu me diras, il l'a sorti à la fin, mais je pense que c'est parce que le tank a été un méga débile. Mais il y a trop d'incohérences, il y a trop de problèmes dans ce jeu. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de suivi, si tu veux, et qu'ils se sont dit, bon, on a sorti Firestorm parce qu'il fallait sortir le Battle Royale qu'on a payé pour développer, mais de toute façon, tous les joueurs sont sur Apex, et comme ils l'ont pas sorti non plus en version free-to-play, alors certains ça leur plaît parce que voilà, on reste entre joueurs Battlefield, mais c'est vrai que d'un autre côté on voit bien qu'il n'y a aucun enjeu économique pour DICE, EA et Criterion de continuer dessus. Et voilà, c'est un vrai fail quoi. Bon voilà, j'espère que ça vous a quand même plu comme vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, jouez bien, roxez bien et à la prochaine. Ciao. Down.